Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Resident Evil 4. Nous en sommes à l'épisode 17 et comme on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc on se rapproche de la sortie de Resident Evil 7 pour janvier 2017. Donc c'est dans 3 petits mois, hein, on va dire, 2 petits mois et demi. J'ai tellement hâte, le rendez-vous est déjà pris sur ma chaîne, bien évidemment les amis, ne vous inquiétez pas. Donc, revenons un petit peu à nos moutons et où on en était. Bon, on était sorti de la merde, c'est déjà pas mal. On était sorti de la merde pour y retourner. Je devais fusionner les bijoux. Et les bijoux sont ici. Voilà, je vais fusionner les bijoux avec la couronne pour avoir toujours plus de thunes. Et je vous avais dit, on va pas améliorer le magnum, on va attendre le prochain et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et en plus, vous m'avez confirmé en commentaire que le magnum que l'on a, le premier, le Broken Butterfly justement, est le plus puissant des deux magnums. L'autre, c'est le Killer 7 et il est moins intéressant. Donc, on va de ce pas améliorer le Broken Butterfly et on continue notre petite aventure. C'est parti, on va vendre 2-3 trucs. Donc, tout ce qui est Spinel, on va le vendre, évidemment. On va vendre les bleus velours. Je vais jamais y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de bégayer, frère. Allez, voilà, les bleus velours, c'est fait. On va vendre les yeux verts. Je vais en garder un. Et vous avez vu, hein, j'avais bien fait d'en garder un tout à l'heure. On va vendre quoi? On va vendre notre masque qui n'est malheureusement pas fini. Parce qu'on pourra jamais le finir, tout simplement. On a une lampe papillon à 32 000. On a un masque à 20 000, on a un bracelet en or, je vais vendre le bracelet en or. Voilà, on va vendre... On va en garder un quand même, parce que j'aime bien, je vous dis, j'aime bien étaler ma fortune. Pendentif des Illuminados, ce sera rien de le vendre pour l'instant, même s'il vaut bien cher. 48 000 la couronne de Salazar, damn. Ok, on va vendre le sablier doré. On va vendre le miroir orné de perles. La belle bouteille de parfum qui ressemble à une mini chicha. Et le bel échiquier. Le bel échiquier, voilà. Parce que nous ne serons jamais mis en échec dans cet épisode. C'est parti. Brock. Oh, TPMP, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui m'arrive? Cyril Hanouna, sort de ce corps. C'est parti. On améliore encore. Toujours. Oh là là. Oh, toujours. Oh là là. Oh, je peux... ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Oh là là. Oh, mais attendez. Et là, faut que je réunisse 50 000, là. C'est pas possible. 24 de puissance de feu. Je te tire une balle, miskin. C'est un putain de roquette dans ta chatte qui part. Ok. Finalement, on va vendre. Finalement, on va vendre. De toute façon, la couronne, elle est terminée. Je sais que ça vous rend fou et j'adore. Allez, hop, on vend avec le petit bracelet en or. Et on va garder ces deux-là. Voilà, je me garde. J'ai quand même le droit de me garder un petit épargne de 50 000 pesetas, les mecs. On est parti. Broken Butterfly, 24 de puissance de feu. Putain de merde. Ça chicote. David chicote. Ok. Et à côté, il fait combien mon sniper? Il fait que 13, entre guillemets. Hein. Mais bon, sniper, faut réussir à viser, miskin. Hein. Là, déjà, t'es pas fait. Hein. Allez, on est parti. On va re-sauvegarder parce qu'on a fait quand même pas mal de petites améliorations, surtout sur le magnum. Et puis, on peut continuer notre folle aventure. Je peux me permettre de vider un chargeur sur le prochain boss de magnum. Normalement, la contenance sera... rassasié, mais j'ai aussi le lance-roquette et je vais l'utiliser, le lance-roquette. Je crois que le lance-roquette... Oh là, c'est quoi ce truc mystique? Calme-toi, frère. Je crois que le lance-roquette, il fait 100 de damage. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. J'ai des balles de pistolet, au moins. Ouais, j'ai des balles de pistolet. Allez, on y va au pistolet, ma petite gueule. Je sais même plus quand je les ai ramassées. Là, il va se passer quelque chose encore de terrible. Ça me fait chier de niquer une balle de pistolet pour ça, mais enfin, les gars... C'est de l'argent, on prend. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Calme-toi, mais il est fou! Il court super vite! Le mec, il court sans parler! Il court sans parler, ça stresse de ouf. Calme-toi, par contre, Jean-José. Il m'a vu? Et d'habitude, ils crient, tu vois, les villageois, ils sont là, ouais, yaya, yayo, tu vois. Et là, personne, ils ne parlent pas, juste ils courent. Et c'est stressant, t'entends ces bruits de pas, tu te dis, les gars, qu'est-ce qui se passe dans ce bordel? Ok,
Ça c'est fait. Ça c'est fait. Allez! Bonne chose de fait. Il y en avait un autre? Ouais. Bon, on va peut-être pas gâcher les balles de sniper pour lui quand même. Ah! Bon, attendez. On peut faire une belle brochette. Donc ça, vous savez que... Oh bah, très belle brochette même. Oh là 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 là. Ah oui, ouais, mais 3 pour le prix d'un, c'est méga worse les mecs. C'est méga worse. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries comme ça? On va récupérer le pistolet. C'est trop tranquille. C'est tellement tranquille là l'ambiance. Regardez, on n'est pas bien. Genre c'est super tranquille. Genre je me fais agresser, mais même ça, c'est mignon. Il y a une cinématique là? Non. Même ça, c'est mignon. C'est une petite ambiance aromatique. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression de boire un petit thé vert en avançant. Allez, on continue. On va essayer de fouiller. J'ai vu un placard là-haut. Très bien. Pourquoi pas? On ne peut pas le fouiller. On ne peut point le fouiller. D'accord. Donc, il n'y a rien à faire ici, mais c'est terrible. Attendez. Il est où le prochain trésor, là? Ah ben si, il est là. Ben non, c'est mon objectif. D'accord. Why not? Je vais forcément tomber sur un truc pas très... Pas très gentil, mais bon. Il n'y a rien. Ah, très bien. À la base, je voulais prendre une échelle. Mais bon, ouais. Les gars, si je peux tomber sur des cristaux comme ça, moi, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que c'est? Ok. De l'or pour les braves. Il y a un interrupteur. Là, va y avoir embrouille. Ok, là, va y avoir embrouille, les mecs. Ça, c'est sûr. Est-ce que je peux sauter par ici? Non. Est-ce que je peux sauter par ici? Non plus. Je peux sauter quasi nulle part. Ça fait plaisir. Tiens, trésor. Bah alors... On se cache dans des petits coins comme ça, un petit peu farfelu. Ok, on va ramasser ça. C'est bizarre qu'il n'y ait rien. Quand même. Je sais bien qu'on se prépare à un potentiel boss, mais enfin. Yo. L'ambiance trop chelou. Elle est sympa, hein. C'est sympa l'ambiance, hein. Mais super chelou quand même. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais peut-être recharger le pistolet juste par pure précaution. Hop, voilà. Faut surtout pas que je recharge le magnum, sinon je chiale, les mecs. J'ai que mes yeux pour pleurer. Va falloir me rappeler, vous savez pertinemment que je vais le recharger comme un connard. Il ne faut surtout pas. Quand je le sors, il faut que je me dise non. Non, non au rechargement de magnum. Ok, c'est parti, qu'est-ce que c'est? Oh là. Ça, c'est un truc un peu mystique, ça. Ça, c'est un truc funéralesque. Un message dit, devant vous se dresse l'offrande du lion. Calme-toi, le lion. Waouh. Allô, allô. Oh. Ah ouais, super l'offrande. Elle est super sympa. Ok. Il n'y a rien d'autre. C'est ça l'offrande, ma gueule. Qu'est-ce qu'on fout? Ah, les quatre... Oh, mais damn. Ça, c'est les phases de jeu oubliées. C'est les phases de jeu tellement oubliées. Ah, c'est terrible. Et ce silence. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui a démarré la tronçonneuse? Qui a démarré ce... Il est où, petit connard? Il est où, ce petit con? Je le vois. Il est manipulé! Allez, dégage. Tu veux te relever, mon petit pote? Et tu sais quoi? On va pas se faire chier. Yo! Encore? Quoi? Yo! Oh putain, salope! Il va encore se relever, hein. Il a faim, le petit. Il a faim, le petit. Mais ça c'est le problème, ça. Quand on sait pas descendre une échelle, ça, c'est un sacré souci. Par contre, faut mourir, monsieur. 3 balles de snipe. Il est toujours pas mort, hein. Si, il est mort. Il est mort, je crois.
Il est mort, je crois. Ok, on est parti. On va prendre le TMP. Wow. Préviens. Quoi? Préviens, je t'ai dit. Voilà, ça c'est sympa ça. On va utiliser toutes les balles de TMP. Faut surtout pas que je recharge. Faut vraiment pas que je fasse le rat. Sinon je m'en voudrais toute ma vie. Ça c'est chiant ça. C'est bien, ils ont des pelles et tout hein. Sympa hein, putain. Ok. J'essaye de voir par où on peut passer. Je vois que ça fait des petits labyrinthes de sable. Super sympa. Voilà. C'est terminé là, c'est bon là, on est là. Ok, c'est bon. C'est bon, on est large. Wesh! Yo! Quoi? Voilà, ça dégage. Il était là, il me racontait sa vie, j'étais pas bien. Viens ma gueule. Oh! Oh bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Il me reste encore quelques petites balles à utiliser. Voilà. Hop les Rodriguez. Là par contre, mine de rien, on serre un petit peu les fesses quand même. Voilà toi. Ok, TMP, faut surtout pas que j'y touche. C'est bon là, c'est fini. Calme-toi toi. Lâche ta main. Ok, on est parti. Here we go. Hop. Ok. Toujours pas fini. Et ben c'est bon, je crois qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ah, c'était pas évident cette petite phase sympatoche là. Vas-y frérot, viens là. Ouais, ferme-la. Ouais, ferme-la pour voir. Putain, mais lui. Lui il traverse tous les étages avec son bordel là. Ok. Ok, on peut descendre. Ah, balle de TMP, c'est plutôt cool. Bon, faut faire demi-tour pour aller voir le vendeur tout à l'heure, mine de rien. Oh là là, putain, c'est quoi toutes ces petites friandises là, ces petites offrandes? Hop, de la lune, c'est ça. Oh putain. Bientôt, vous en soirée, attention hein. Ah oui, d'accord. Et les mecs, vous êtes combien là-dessous? Ok. Ok. Yo. Ferme-la. Ah, plus de balles. Ça c'est terrible. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Ça me fait chier quand même. Oh non, ça c'est chiant. Ok. Reste à terre, frère. Oh, ça c'est chiant. Voilà. Ok. Bon, on peut continuer. Oh la vache, les balles qu'ils m'ont donné de TMP. Ça fait plaisir, ça. On peut continuer, les gars. J'ai pas beaucoup parlé, hein. Besoin de concentration, comme partout. D'accord. Il y a quoi de l'autre côté, là? Bah ça me fait chier. Je pensais qu'on faisait demi-tour, que c'était bon, que la vie était belle. Qu'est-ce qui se passe les gars? Ah d'accord, putain il reste des salles. Et je peux plus faire demi-tour, ça c'est triste. Ça c'est terriblement triste. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura forcément un boss, quelque chose. Combiné, hop, combiné. Voilà, c'est pas mal. J'ai trop de choses. Voilà. Ça, on s'arrête pas. Hop.
Mais c'est pas mal, c'est pas mal. On est bien, on est très bien. On revient dans le game, les amis. On revient dans le game, dans le rap game. Ok. On y retourne. Ah, tiens, des petites balles de pistolet, ça fait plaisir. Pas assez, malheureusement. Mais bon, hey, trouver des balles par 15, c'est quand même, ça relève déjà de l'exploit. On continue. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Yo! Oh, ça c'est chiant. Ok. Attends, je les repère. Un là, et. Et ça a l'air d'être tout. Quoi? Ah, c'est chiant. Mais il est où là le dernier là, les gars? Ah d'accord. D'accord, je les avais pas du tout vus. Je les avais pas du tout vus. Allez faire. Voilà. C'est bon ça. Et là le truc qui tombe, il m'éclate. On n'en parle plus. Ok. Ah bah on n'a pas le choix, on doit continuer. Mince. Mince. Pas très gentil ça. Ok. Épreuve suivante. Putain, l'offrande du lion, paye ton offrande, ma gueule, hein. Ah, putain. Oh là, ça, oh, ça va être chiant. Oh, tu sens la phase relou. Tu sens la phase super relou. Ok. Porte noire. Oh, aïe. Ouille, ouille. Aïe, aïe, aïe. Ouille. Ah, mais en fait, c'est là le chemin. Ouh! Quoi? Faut que je fasse tout ça? C'est pas possible, on est sur rail là, les mecs. Ah oui. Vous m'avez fait peur. Ah, déconnez pas, putain. Les mecs, ils sont fous. Je me suis dit, ah, yep, gros, t'en as pour 4 épisodes, là. On n'est pas bien. Hein. Ok, c'est bon. On peut y aller. Attends, 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 parce que, mine de rien, je fais le gars heureux, mais... Ah! Ah! Allez. Ah, ça va être drôle. Ah, c'est tellement drôle. Hop. Pourquoi je peux... Je peux pas. D'accord. Allez, mec. Ah oh, oui! L'Américain! Ah, dégage. Mais vous êtes qui? Non! Aïe! Ah, c'est chiant. Ah, ça, c'est chiant. Hop! Allez! La petite animation qui m'a sauvé la vie! Oh sa mère! Ça c'est chiant ça! Attends frère, je veux juste. Voilà. Ok! J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Un peu de plaisir. Allez, dégage. Ok, des petites balles comme ça. Ferme-la toi. Je me raconte pas ta vie, ok? Ouais, sympa. Jusqu'ici, c'est plutôt cool. Bonne ambiance. Quoi? Voilà. Ok, je fais quoi là? Hop! On est bon. Je les ai éclatés! J'espère que ça vous a fait plaisir. C'est bon, vous êtes mort, monsieur. C'est bon, vous êtes mort, monsieur. Monsieur, faut mourir, s'il vous plaît. Attention, attention. C'est pas très Jojo. Ah bah ouais, mais gros, on t'avait dit, hein. Okay.
garder au pire, y a pas de souci. Voilà, ça me fera des lunes s'il faut. C'est pas un problème. Oh, c'est quoi ces conneries? Ça va vite. Regardez. Regardez la tête qu'il a. Il est... Même lui il est pas yab. Il se dit c'est quoi ces conneries? On m'a pas prévenu. Oh la vache. Oh putain, heureusement que j'ai ramassé le trésor, mine de rien. Oh putain, heureusement que j'ai ramassé le trésor du mec à la tronçonneuse. Faut y aller par contre. Même lui il était pas yab, il bougeait plus. Il était là, il fait oh les gars. Oh merde. Oh c'était tellement drôle. Oh on a rigolé hein. Oh putain, c'est sûr qu'on a rigolé là. Oh alors là on a franchi une étape dans la rigolade. Je vous raconte pas le bordel hein. Allez c'est parti, on se casse. On est saoulé. Ok, tout ça pour la pierre du sacrifice en plus. Pierre du sacrifice, frère. C'est quoi ces conneries? Allez. Oh putain, non, c'est n'importe quoi. C'est ridicule. Il était en frisson. Il était en frisson, le mec. Il se faisait des sensations fortes, tu vois ce que je veux dire. Voilà, on est où? C'est trop spirituel, là, d'un coup. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Bon, on est sorti. Très bonne nouvelle. On va retourner voir le vendeur. On va améliorer la TMP pour récupérer 150 balles, voire même plus. Oh, putain. Très bon, ça. Il était où? Ah, il était tout au bout. Ah putain, le petit plaisir. Le petit plaisir, cette phase de jeu. Je sais pas si on va affronter le boss. Je crois que le boss devrait pas tarder. Donc Salazar, ça serait bien qu'il arrive d'ailleurs. Je vais lui mettre une petite roquette là où je pense. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ça va bien se passer. Allez frérot. Vas-y, déconne pas. J'ai pas envie de refaire toute cette phase. On va sauvegarder juste après. Optimiser, non pas le broken, mais le TMP. Is that all strength? Et ben voilà. Et ben voilà, normalement, si je ne suis point fou, on est bien à 200. Nickel, nickel. Voilà, c'est la petite technique d'enculé, hein, on va l'appeler. Bah, on va l'appeler la petite technique d'enculé d'ailleurs. Qui permet de gratter pas mal de munitions quand même. 150, c'est pas négligeable. Ça équivaut à 3 chargeurs de base trouvés par terre. Donc c'est plutôt cool. On va pouvoir ressortir le pistolet, parce qu'avec ces conneries, j'ai ramassé des balles de pistolet. Hop, voilà. J'ai pas mal d'herbes de type aromatique, évidemment. Soit on se fait un thé, soit on se fait un gros rail. Soit on se fait un putain de ouinge. T'as jamais vu ça de ta vie. Ouais, ouinge. Ça fait longtemps que j'avais pas employé ce mot. Quelqu'un a un petit ouinge, les gars. Pas mal tout ça. Oh putain, on peut aller là, je sais même pas. Miskina. Y'a quoi là-dedans? Ah bah si. Ça ne sert à rien. Y a de la merde. Y'a du caca. C'est du caca, les amis. C'est un caca que nous avons là. Allez, c'est parti, pierre du sacrifice. Sacrifions-nous, les amis. Donnons cette offrande, n'est-ce pas? Ça serait bien que je fasse la dernière épreuve du vendeur. Oh là, oh là. Ça va m'emmener en enfer. Oh, ça va m'emmener en enfer. Là, on n'est pas bien, là. Fin du chapitre. Eh ben, on continue, les amis. 79% de précision. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal, ce petit 79. On a eu des frissons. On a eu de la montagne russe. On a eu tout ce qu'il fallait, les gars. Petite cinématique. Non, rien à foutre. Ok. Excusez-moi, monsieur. Oh. Oh. Ouais, fais-moi plaisir, bébé. On re-sauvegarde. Écoutez, c'est pas grave. Ah, après, j'ai sauvegardé énormément de fois. Il y a bien 50 sauvegardes totalement inutiles. Hein. Là, en vrai, on serait à 12 sauvegardes. Mais on va pas faire les ricains avec ce qui s'est passé. Ah, yes, je me souviens. Je me souviens, fut un temps, n'est-ce pas, ici. Ah oui, 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 oui. Bah, on n'est pas au boss encore. Putain, on n'est pas arrivé au boss, hein, ma petite gueule. Ok, il va y avoir une petite phase au snipe, très sympa, une phase de type aromatique, ok, encore des trésors, j'ai trop d'argent, je baigne dans l'argent, je baigne dans les loves, et les loves, et les loves, bon dire, ah oui, d'accord, c'est un fail, ok, donc vous l'avez remarqué, c'est un robot qui peut plier, c'est Salazar, c'est un robot Salazar, une statue robot, nickel. Ça, c'est pas gentil. Pas très gentil, voilà, je tenais à le dire. Putain. Oh, ce qui va se passer, ça va pas être gentil non plus. Oh, ce qui va se passer, ça va pas être gentil non plus. Oh là là. Ah ! Je le savais. Bande de salopes que vous êtes. Vous n'avez pas honte d'attaquer un homme par derrière. Et qui plus est des armées.
Hop, un petit suplex. Allez, c'est Bibi qui régale. Ok. Bon, frère. Faut arrêter les conneries. Voilà. Faut arrêter les conneries pour mourir. Ah, je peux pas récupérer le trésor. C'est un plaisir. C'est sans doute une grenade. C'est sans doute quelque chose de super intéressant. Mais je ne peux pas le récupérer. Donc, je vais clairement aller me faire foutre. Ok, là où il y a du monde. C'est parti, les frérots. On va soulever tout ça comme en 1730. Un petit souplex. Souplex. Coup de pied. Coup de pied, souplex. Hop, alors on tombe. Oh, quoi? Qu'est-ce que vous foutez là-haut? Mais vous êtes fous. Ok, dégage. Yo. Voilà, faut tomber les gars. Ok, plutôt cool. Ah putain, ils se relèvent ces bâtards. Oh, c'était tellement pas prévu. Ouais, y'a plus personne là-dedans. Bah, venez, venez, venez. Ok, y'a plus personne. Ok, y'a plus personne. Yes, allez, on prend tout. On est bon. On est bon, on peut remonter. Bon, on va faire les deux là-haut, là. Jusqu'ici, pas terrible. Enfin, pas super compliqué, la phase. C'est après que ça va se corser. Yo, frérot. Bon, les gars, vous êtes là. Vous savez pas marcher. Attendez. Ne les concentrez pas. Eh. Voilà. Est-ce que ça va? Vous m'avez cassé les couilles. Dégage. Alors, t'as vu ma suplex? Allez, on est parti. On reprend le TMP. Hop, ferme-la, tout jamais. Ok, c'est bon, on est large. Il y a des petites surprises sur les mains, c'est très sympa. Hein. Vous l'aurez remarqué. Voilà. Tu bondis comme ça, fais attention. Ok, on va ramasser ceci. Parce que c'est bon, ça fait plaisir. Et oui, c'est un serpent là, non? Je vois des serpents partout. Forcément, j'ai foiré. Voilà. Allez, bon. On est parti, on remet tout ça en place. Une seule? Sérieux? C'est pas très gentil, ça. Hop, c'est moi, il y a un mec qui vient de tomber, là, comme un tas. Putain, les mecs, prévenez quand vous faites des trucs comme ça. Insensible au couteau, ils s'en battent totalement la race. Ok, c'est bon, boum, ça part très vite. Et là, je vais où là en fait? J'ai pas pigé le. Il y a un concept, il y a eu un concept là qui a été fait. Ok, si j'ai pigé, faut que je monte encore sur la main pour aller je ne sais où. Je suppose qu'il faut que j'aille au deuxième étage. Je me disais bien que cette pièce était bien grande. Yo les gars, putain, faut que tu sois tout là-haut toi. Hop, ça fait mal comme ça là. Hop, ça fait mal ou quoi, dis-moi. Ah. Oh oh. Voilà, ça fait mal les gars ou pas, dites-moi. Ok, on va pouvoir aller de l'autre côté. Bah ouais, un trésor. Un trésor pour les bras, hein. Yo. Ah. Quoi? Hop. Attention s'il vous plaît quand même. Attention s'il vous plaît. Je sais bien que voilà, vous avez envie de me chatouiller un petit peu. Mais va falloir faire gaffe. Je suis pas votre pote moi les mecs. Ok, c'est bon. Bon, phase pas évidente. Phase pas évidente, on est parti. Enfin, simple, pas hyper compliqué, mais pas spécialement évidente parce que. Oh, ils sont chiants. Oh, vous êtes chiants, vous êtes lourds en soirée. Voilà. On va ouvrir. Voilà, reste à terre, toi.
Ok, yo les gars. Oh, remarque. Ah oui, je peux descendre. Je sais même pas ce que je cherche là. Ah, j'en crois pas. Ouais, t'as quelque chose à me donner ou... Ouais, c'est pas mal. Allez, on y va. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ça, j'ai totalement oublié. Allez, Rodriguez. C'est bon. Ok. Quoi? Ah, ça, c'est chiant. Ah, ça, c'est chiant. Ah, ça, c'est chiant. C'est bon. Oh, putain. Allez, 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 allez. J'ai plus de pouce. Faut arrêter les conneries, hein. C'est plus de mon âge, tout ça. Bon, bon, bon. Bah, nous voici, messieurs, dames, devant l'antre du diable. On est parti. Ah, il y a quand même un point de sauvegarde, c'est sympa. Il pense au... il pense à la famille. So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual, it's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Stylé cette phase de jeu, les mecs. Cette phase de. Cette petite cinématique. Vraiment, j'ai toujours kiffé. Voilà, je tenais à vous le dire. Ça, c'est fait. C'est parti. C'est parti. J'ai pas de balle de. J'ai pas du tout de balle de poing, ça c'est chiant. Ah, ça c'est chiant. Hop, on va aller derrière parce que se cache un petit trésor évidemment. Oh, oh mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc que cette plante? Bon, on est parti. Combiné. Allez, ma petite gueule. Voilà, ça c'est fait aussi. Putain, mais j'ai tellement de munitions. J'ai tellement de soins, pardon. Ok, y'a rien là-dedans. Je sais qu'il y a un trésor, mais alors fou. Justement, on va voir ça tout de suite. Ah bah tiens, dans ma direction. Ma direction. Ok. Je suppose que le trésor est en hauteur. On va aller le chercher, les mecs. Sans plus tarder. Là, va y avoir embrouille. Pas d'embrouille, man, pas de litige. Là, je te le dis, là, ça embrouille direct. Ok, qu'est-ce que c'est? Ah, très bien. Ouais. Non, mais attends, il peut pas se foncer sur moi. Ok. C'est pas très gentil, tout ce qui se passe. Ouais. Je passe de justesse quand même, hein. C'est un peu bidon cette histoire. Ok, vas-y, c'est parti les mecs, on continue. Désolé, désolé pour ce blasphème. Oh, c'est... Oh la vache. Il m'a sabré en mulet. Ok, bon, ça c'est chiant. Ça c'est très chiant. Donc voilà ce qu'on va faire. J'aurais bien voulu garder une herbe quand même. Ok, voilà ce qu'on va faire. Hop, et voilà, je ne suis pas... Je ne suis pas à plein, mais c'est pas grave. Ok, on est large. On a presque toute, toute la vie de fait. C'est vraiment... vraiment pas mal. Ouais, il y avait un trésor par ici. C'est une bonne idée. Ah, 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 c'est beau, ça. C'est beau, ça, attendez. Ah oui. Ah, 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 tap, tap. Lâche-moi, petit. Putain, c'est pas vrai! Toute la vie qu'ils m'ont envoyé! Ouais. Alors, toi, par contre, t'es relou.
toi t'es relou. T'es le genre de mec en soirée, tu penses faire la... tu penses animer, mais bon. Oh putain, j'ai peur. C'est le fou. Ils envoient des tonneaux explosifs des fois. Attends, c'est moi ou... j'envoie des tonneaux là. J'envoie des tonneaux. Il y a des mecs pas gentils en bas. Ok. 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 Ah, c'était toi. C'était toi l'homme. L'homme qui murmurait à l'oreille de... Ok. J'aimerais bien redescendre. Attendez. Eh, je le renvoie. Eh, c'est gratuit. Ok. J'essaye de voir un petit peu comment ça se passe. Comment ça se passe dans le ghetto. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils sont toujours en bas là ou pas? Attendez, on va voir. On va voir les mecs. On fonce voir. Parce que potentiellement, s'ils sont tous morts, ça m'arrangerait. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais! Ça faisait les chauds par ici. Et là, il n'y a plus personne. Ça. Yo, les gars. Es-tu seul? Tu t'es perdu? Bah ouais, il était tout seul. Très bien. Ok. On peut remonter. On peut remonter, les amis. Mission complete. Je sais pas où est le trésor, c'est terrible. Ça me donne mal à la tête toutes ces conneries à tourner comme ça. Je sais pas du tout où est le trésor. Il peut être n'importe où. Ok. On va prendre... Ah d'accord, j'ai peut-être trouvé, non? Ce serait pas de l'autre côté là? Je sais pas. Je vous avoue que c'est un mystère. Bah qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah alors? T'es perdu, ma gueule? Ok, bah les gars, c'est un mont de sarge. Monter, oui, ça ne monte pas. Peut-être que le poids est dépassé. Très bien, plaisir. Ok. Ouais. Est-ce que je peux le tirer? Non? D'accord, je peux que pousser. Très bien. On est parti. Bon, vous connaissez le classique mont de charge qui s'arrête dès qu'il y a 3 personnes dessus. J'ai peur. Wow! J'ai vu un carreau là! Oh, j'ai plus de balles! Calme, Denis. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Mais mec, arrêtez. Gros, je t'arrache tout, j'en ai rien à foutre. Mais wesh, je vais m'énerver. Arrête toi. Mais... Oh là là! Allez, dégage! What? Ma vie est tellement nulle! Ma vie est remplie de nullité! Ok. Là, les mecs, on commence à... être... Mais c'est pas vrai! C'est quoi qui m'encule comme Jaja? Dégage, toi! Ah oui, ça te fait vibrer, bolos! Eh, hey, je prends des carreaux, mec! J'ai pas eu le temps de vivre, là! Ouais, non, mais ça va aussi. Ça va aussi, je veux dire. Putain.
terrible. Quoi, j'ai plus de balles? Wow, les gars, vous êtes trop loin. Oh, vous êtes tellement loin. Mais c'est qui? Il y a un nègre, gros, il a envie de m'enculer. Wow, je suis tellement pas prêt. Ok. Ok, ok. On va faire avec. Oh, c'est terrible. Y'a quelqu'un encore? Oh. Ouh. Le lance-mine, finalement, attention, hein. J'ai gardé les balles au cas où je peux améliorer encore une dernière fois la TMP. Ce serait pas mal de gratter 250 balles, si vous voyez ce que je veux dire. Vu l'état critique dans lequel nous sommes. Ok. Eh, sérieux, toi, hein. Je sais pas où t'es, frère, hein, mais je le vois pas. Je le vois même pas. Je l'entends. Oh la vache. Je l'entends comme s'il était à côté de moi, Miskin, mais. Ok, il est dénouillé. Ok, il se casse. J'ai toujours pas vu de vendeur. Il est juste au-dessus, rassurez-moi. J'ai besoin d'être rassuré, s'il vous plaît. Ah oui, ah, c'est mieux, putain. Eh, mais il continue de tirer, c'est terrible. Il continue de tirer. Yo, putain, tu m'as fait peur. J'allais t'enculer. Ok. 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 Et ok. Voilà quelque chose qui fait plaisir. Frérot, dis-moi que je peux améliorer quelque chose avant que je pète un câble, là, s'il te plaît. Allez, t'as des objets rares. Oh yes. Oh yes, attends, bouge-toi. Oh bah, c'est le pistolet, donc on s'en fout de garder deux balles. TMP surtout. Il me faut le TMP, s'il te plaît, la contenance du TMP, fais pas, fais pas le crevard, frère. Frère. Ah, ah non. Broken Butterfly. Non, je vais garder. Bon. On est pas mal. On est pas mal, les gars. Je vais pouvoir bientôt acheter... L'ultime amélioration. Allez, on sauvegarde, on s'arrête là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Putain, mec, l'ascenseur, c'était l'enfer. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure. A tout de suite, tout le monde, ne bougez pas.